Bonsoir, bienvenue donc à cette rencontre, soirée débat du 28 novembre 2019. Merci de vous être déplacé dans tout ce trajet quand même. C'est un parcours pour se rendre ici, pour venir assister. Ça prenait de la détermination, donc bravo déjà pour cette détermination. Et ce soir, nous allons discuter des technologies numériques et de l'indépendance des enjeux politiques, sociaux et techniques pour l'émancipation sociale. Ça tombe bien. Juste avant une fin de semaine du vendredi fou, du lundi de vente numérique, c'est quand même, je trouve que c'est tout à fait adapté. Je ne sais pas si on y avait réfléchi, mais pensez-y la prochaine fois, c'est magique. Donc, pour cette soirée débat du 28 novembre 2019, vous avez deux conférenciers. Donc, à ma droite, Mathieu Gauthier-Pilote, que je connais sur une autre formation, mais je vous lirai tout à l'heure là, sa biographie. Et vous avez à ma gauche, donc, Florent Michelot. Tous deux vont vous entretenir sur cette grande question des technologies numériques et de l'indépendance, chacun de façon totalement, quand même, très propre à eux, là, ce que j'ai compris, c'est qu'on va aller dans tous les champs ici, donc chaque présentation est très distincte, donc on va essayer de trouver des points communs, mais n'hésitez pas à poser des questions pour aussi les remettre en débat, hein, ce soir est débat, là. Les conférenciers peuvent se mettre aussi en débat eux-mêmes. Et j'aurai des questions aussi cette fois-ci, donc, à leur poser. Donc, on a commencé roche-papier-ciseaux. Ce sera Mathieu, donc Gauthier-Pilote, qui commencera. Il est informaticien, président de la FACIL pour l'appropriation collective de l'informatique libre. Il est formé en conception de systèmes informatiques, donc en 1998-2001. Il débute sa carrière comme responsable des technologies de l'information chez un éditeur québécois de jeux ludo-éducatifs. Et en compté 2011, il est travailleur autonome dans l'industrie du numérique. Il est spécialisé dans des logiciels libres et des technologies du web. Il agit comme conseiller, administrateur de système, développeur et formateur auprès de PME et d'OSBL. Et en 2012, c'est là qu'on se connaît, il devient chargé de projet numérique à la Fondation Lionel Groulx, un organisme de bienfaisance qui se consacre notamment à la promotion de l'histoire du Québec. Et donc, il a aussi, parallèlement à sa carrière professionnelle, été membre, administrateur et président du Conseil de la FACIL, qui est un organisme, comme je le disais, sans but lucratif. Et pour cet organisme, il a aussi rédigé plusieurs articles, notamment présenté des mémoires, donné des conférences. En 2014, il a également monté un cours pour l'UPOP Montréal, intitulé « L'informatique libre, droit, liberté et bien commun dans le cyberespace ». Sa plus récente publication substantielle, quand même, est un long article intitulé « La tête dans les nuages, le secteur public face aux offres commerciales d'infos nuagiques publiques » qui est paru en mai 2019, donc cette année, dans la revue « L'Action nationale ». Ça met la table. Ça nous va bien aller. Donc, Mathieu, je vais te céder tout de suite la parole. C'est comme ça qu'on commence. Oui, oui, tu prends le micro. Voilà. Ah oui, chaque panéliste, je vais quand même faire un petit... Chaque panéliste a 20 minutes pour se présenter. Ensuite, on va ouvrir les questions. Vous aurez 2 minutes pour poser questions, commentaires, ce que vous voulez. Je vais vous arrêter, même si on n'est pas très nombreux, pour permettre quand même une certaine circulation d'idées. Donc, je vais être très stricte ce soir sur les questions. Et si vous voulez savoir, moi, je suis Martine Desjardins, je suis la directrice du général du Mouvement national des Québécoises et Québécois. Donc, merci d'être là. Mathieu, là, c'est vrai, c'est à toi. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Là, est-ce que vous m'entendez encore? Moins bien. Oui. Moins bien? Bon, je colle. C'est bon, on colle dessus. Bon, peut-être que je peux le décrocher. Bon, voilà. C'est bon comme ça. Bon. Donc, d'abord, la raison pour laquelle on m'a invité, je crois, à l'origine, c'est en raison de la publication de mon article dans l'Action nationale sur la question de l'info nuagique public dans le secteur public. Et puis, dans ce texte-là que j'ai écrit avec mon chapeau de présidente facile, j'aborde la question de la souveraineté numérique de façon, enfin, c'est pas tous les angles évidemment possibles, c'est en rapport avec l'enjeu de l'utilisation de l'info nuagique des GAFAM, de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft par le gouvernement du Québec. Et cet article a été écrit en réaction à l'annonce du ministre Éric Kerr, que vous avez peut-être vu, enfin j'espère qu'il y en a un certain nombre qui l'ont vu. Le ministre Éric Kerr a annoncé au début de l'année 2019, je crois qu'on était en février,
qu'il y aurait l'utilisation prioritaire de l'info nuagique publique par le gouvernement du Québec. Et on nous a balancé un chiffre sorti de nulle part, il y aurait 80% de nos données qui iraient dans les nuages d'entreprises privées, principalement américaines. Donc, c'est un peu en réaction à ça que l'article a été écrit dans l'Action nationale en mai. Ça a pris du temps de le rédiger. J'ai fait une bonne recherche là-dessus. Et puis, j'aborde donc la question de la souveraineté numérique. J'en traite en rapport avec, dans les débats publics, ce qui revient le plus souvent, qui sont la question de... elles sont dans la description même de l'événement d'aujourd'hui. Donc, il y en avait quatre. Il y avait l'applicabilité du droit des États-nations sur Internet, qui est un enjeu majeur lié à la souveraineté numérique. Le pouvoir inégalé des multinationales américaines, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Le contrôle et la protection des données, de façon générale, face à différents adversaires réels ou potentiels. Et la surveillance de masse qui attaque nos libertés fondamentales. Alors, pour les gens qui ne seraient peut-être pas convaincus que c'est une question, qui est un enjeu en tête de liste des enjeux du siècle, j'ai tiré un document ici, là, je vais le mentionner, c'est quoi le document après, là, mais c'est une liste de ce qui est typiquement associé à l'exclusivité de l'État, donc essentiellement ce qui fait l'objet d'un monopole régalien, disons, de façon classique, si vous voulez. Et j'en ai une liste ici, je ne vais pas tous les énumérer, mais il y a un certain nombre de choses qui appartiennent au monopole régalien. Et on voit que dans tous ces secteurs-là, il y a maintenant des entreprises privées qui prétendent s'y investir. Il y a assurer la sécurité intérieure, typiquement c'est les États qui font ça. Et aujourd'hui, il y a des entreprises de reconnaissance qui offrent des solutions de reconnaissance faciale. Et elles sont capables de faire quelque chose que les États peuvent difficilement faire, parce que les États sont limités dans la quantité de visages qu'ils peuvent accumuler dans des banques, étant donné qu'on ne peut pas facilement le faire en raison d'une sorte de contrainte juridique. Mais les GAFAM sont capables d'aller chercher ça dans les médias sociaux. Il y a l'authentification des personnes. Aussi, là, il y a un cas extrême. C'est le Royaume-Uni, par exemple, qui a envisagé récemment, en 2004, d'utiliser l'identité Facebook comme identifiant national. Heureusement, ils ne l'ont pas fait. Ils ont choisi autre chose, mais ils se sont plantés en le faisant. Mais bon, enfin, bref. Battre monnaie. Bon, à peu près tout le monde a entendu parler du Bitcoin. Il y a plein de crypto-monnaies. Donc, clairement, ce n'est plus un domaine réservé aux États. Établir le cadastre. Google et plein d'autres entreprises sont là-dedans. Là, je ne les nomme pas tous, mais même le contrôle du trafic aérien, préserver le patrimoine, chiffrer. Donc, le chiffrement aujourd'hui est accessible à plusieurs personnes. Mais il y a une époque pas si loin derrière où c'était pas mal du ressort de militaires. Enfin, le chiffrement fort, je veux dire, pas le chiffrement cucu, là, mais... Et ultimement, il a même décidé de là où les langues officielles, parce que tout se fait par le numérique maintenant, et dans la perspective des GAFAM, c'est le marché, la taille du marché qui détermine si oui ou non on s'intéresse à la langue de la population, et on peut offrir tout. Évidemment, l'anglais, évidemment, s'impose comme première langue, qui est pas mal toujours là, et peut-être accessoirement d'autres, en fonction de la taille des marchés. Donc, si vous n'étiez pas convaincu que c'est un enjeu important, là, que vous l'êtes plus... donc, on est au cœur de la souveraineté. Puis, j'avais dans l'idée de commencer par des définitions. J'en ai probablement trop mis là, pour mes 20 minutes, mais quand même. Je vais quand même référer je ne sais pas combien de fois, mais je vais référer certainement au moins une fois au logiciel libre, que je vais être obligé de définir, mais très brièvement, avec, en citant un peu un document que nous, on a proposé... c'est le pacte du logiciel libre, donc on s'en va devant les candidats aux élections
à tous les niveaux, là, municipal, provincial, fédéral. Et on demande aux candidats de signer le pacte et on leur demande de dire je suis candidat aux élections, j'ai conscience que blablabla, et de signer. Et on définit un peu ce que c'est le logiciel libre du point de vue de Facile, qui est aussi le point de vue de, d'autres organismes, comme l'April en France et la Free Software Foundation aux États-Unis notamment. Donc le logiciel libre, c'est d'abord une réponse à un problème d'éthique. Le logiciel non libre, qui domine l'industrie informatique, est source d'un important déséquilibre de pouvoir entre, d'un côté, quelques grands développeurs qui possèdent et contrôlent, et de l'autre, des milliards d'utilisateurs à qui l'on veut bien accorder des droits d'utilisation restreints et révocables, à condition qu'ils renoncent aux libertés essentielles à la maîtrise de leur propre vie numérique. Dans ce système de relations défavorables au grand nombre, les utilisateurs individuels ou collectifs sont dans l'incapacité de savoir ce que font vraiment les logiciels exécutés sur leurs propres appareils numériques. Alors, le remède à ce mal qui ronge toute la société humaine, qui vit aujourd'hui en symbiose avec les ordinateurs et le logiciel libre, qui existe par le choix qu'ont fait des développeurs conscientisés d'utiliser leurs droits d'auteur pour protéger par une licence la liberté de tous utiliser, de copier, d'adapter et de redistribuer, tel quel ou modifié, le fruit de leur travail. Le domaine de liberté, c'est le point important à retenir, le domaine de liberté protégé par les licences de logiciels libres est absolument nécessaire à la société d'information dans laquelle nous vivons au 21e siècle. Voilà, donc c'est un peu la thèse de base de logiciels libres. Et puis, la souveraineté, la souveraineté, je ne vais pas vous définir la souveraineté, là. Je présume qu'un peu tout le monde sait c'est quoi. Mais la souveraineté numérique, alors c'est quand même assez curieux comme expression, mais c'est utilisé vraiment dans plusieurs sens. Mais il y en a deux qui principales, si on veut. Il y a celle qui est la souveraineté sur ce qu'on pourrait appeler un domaine qui est le numérique, un peu comme il y a la souveraineté alimentaire. Bon, c'est la souveraineté totale, mais appliquée à un objet là, du monde réel, si vous voulez. Mais il y a aussi la souveraineté dans la société numérique. Donc, le numérique est partout et exercer sa souveraineté dans ce nouveau monde-là qui se transforme vite, etc. Donc, ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est beaucoup plus aussi intéressant sur le plan philosophique. Et à long terme, c'est probablement avec ça qu'il faut travailler. C'est avec le fait qu'on est dans une société numérique et que c'est la souveraineté elle-même qui est en train d'être mise en échec. Et je pense que vous l'avez peut-être pas mal montré par la liste là, que j'ai énumérée tantôt, là, battre monnaie, préserver le patrimoine, authentifier, etc. Combien de temps pour lui, je parle? C'est pas super. Je vais quitter les définitions à ce moment-là. Il y avait deux questions dans la description de l'événement. Puis, en 10 minutes, je peux pas dire grand-chose. Mais, Un peu plus? Non, oui. Parfait. OK. Donc, les deux questions, c'était à quoi peut ressembler une souveraineté numérique québécoise qui ne peut qu'être partielle dans le Québec-province? Puis l'autre, c'était que serait-il possible de faire de plus pour conquérir notre souveraineté en matière de numérique avec les pleins pouvoirs d'un État indépendant? Bon. Alors, déjà, c'est quoi la situation de la souveraineté numérique tout court, là? Bon, alors, la situation, c'est que partout dans le monde, elle est à défendre, à restaurer ou à construire. Et c'est bien de commencer par les exemples extrêmes, ceux qui prennent vraiment très, très au sérieux ces questions-là, pas nécessairement avec des méthodes qu'on approuverait ici, mais par exemple, il y a la Russie et la Chine qui prennent ça très, très au sérieux face à la domination des Américains, donc de Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, qui domine très largement sur l'Occident. Mais même en Russie, par exemple, il y a un moteur de recherche qui s'appelle Yandex, qui est devant Google, mais Google est en Russie. Pour ce qui est des fameux médias sociaux là, que tout le monde connaît, c'est 28% des Russes qui sont dans Facebook, 7 sur YouTube et 4 sur Twitter. Donc, ils sont là, mais c'est pas la Facebook Nation... comme malheureusement c'est le cas pour le Québec, avec clairement plus que la moitié de la population dans Facebook. On peut se demander où est-ce que s'en va la Russie, où est-ce que s'en vont la Russie et la Chine. Il y a des gens qui
réfléchis très, très sérieusement à une espèce de sécession d'Internet, c'est-à-dire de quitter finalement le cadre d'Internet, la compatibilité avec le réseau mondial, et d'avoir un peu un Internet à eux, finalement, qui ne serait plus nécessairement compatible. Et puis, c'est souvent au nom de la souveraineté nationale, la protection contre les cybermenaces, contre l'espionnage des Américains, etc., qu'on avance dans cette direction, qui n'est pas, probablement pas recommandable sur les moyens, mais enfin, l'enjeu en soi est parfaitement légitime. Et puis, donc, maintenant, le Québec. Alors, si on parle de numérique, si on évoque une définition un peu restreinte de la souveraineté numérique, c'est-à-dire notre souveraineté sur ce qu'on conçoit encore beaucoup comme un secteur numérique. D'ailleurs, au Québec, c'était rattaché. On avait une ministre responsable de la stratégie numérique, Madame Anglade, qui était rattachée au ministère de l'économie. Donc, ça partait de l'économie et on voyait que le focus était sur l'innovation, l'économie, etc. Puis toutes les autres dimensions des enjeux numériques étaient pas mal périphériques et secondaires. Mais bref, on a l'État fédéral qui a la compétence dans ce qui est pas mal tout ce qui est vraiment important, comme les infrastructures de télécommunications. On a annexé Internet au Télécom, là, donc le CRTC est responsable de pas mal tout ça. Tout ce qu'on pourrait appeler les contenus numériques, sont régis par, incluant le code source des logiciels, les inventions technologiques en général, c'est droit d'auteur, brevets, marques, secret commercial. Tout ça, c'est fédéral. Ensuite, il y a les agences de renseignement. Il y a le CST, le Centre de surveillance des télécommunications, qui est attaché à la défense, ultimement. Il y a le SCRS qui est rattaché à la GRC, donc les principales agences de renseignement fédérales. Et il existe évidemment du renseignement au niveau des provinces, au niveau des grandes villes, mais c'est dans une hiérarchie subordonnée, là. Et puis à Ottawa, ils ont un commissaire à la protection de la vie privée, puis il y a l'équivalent provincial aussi. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau provincial qui est vraiment intéressant? C'est évidemment l'éducation. Et là, c'est majeur comme thème, là, la littératie numérique, l'éducation numérique. Donc, on peut déjà agir à peu près librement dans ce champ-là, donc éducation nationale, enseignement supérieur. Voilà. Donc, les actions possibles dès maintenant. Bien, il y en a plusieurs, évidemment. Il y en a beaucoup qui pourraient amorcer, qui pourraient permettre au Québec d'affirmer sa souveraineté et de construire quelque chose qui peut être poussé plus loin lorsqu'on devient indépendant. La première que j'ai mis dans l'ordre, c'est adopter, donc réformer le cadre juridique sur la protection des données. J'ai appelé ça adopter un RGPD QC+. Donc, le RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données, adopté en Europe en 2016 et entré en application en 2018. Et le RGPD, c'est très clairement un geste de souveraineté européenne. Bizarrement, ça fait curieux de penser à la souveraineté à un niveau européen, mais c'est vraiment ça. Parce que le RGPD prétend s'appliquer lorsque à travers Internet, on transige avec des citoyens européens, indépendamment d'où sont les citoyens européens et indépendamment d'où se trouve l'entreprise qui offre le service. Donc, on est en dehors du territoire européen, du territoire national, on s'en fout. Si vous traitez avec nos citoyens, vous respectez la vie privée de nos citoyens selon nos critères, etc. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça RGPD QC, donc la version québécoise, si on veut. Le meilleur du RGPD, moins la bureaucratie qui est quand même assez lourde, et plus parce qu'il y a quand même des lacunes. Et réduire la collecte, on peut, nous, s'engager dans une politique qui vise clairement à réduire la collecte massive. On peut dès maintenant commencer à bâtir nos infrastructures réseau, idéalement décentralisées, qui appartiennent le plus localement
possible aux Québécois. Il faut savoir qu'il y a énormément de paquets, donc sur Internet, on envoie de l'information sous forme de paquets. Il y a énormément de paquets qui transitent sur Internet en dehors des frontières du Québec de façon complètement inutile. C'est-à-dire, littéralement, tu es en train de communiquer avec la personne de l'autre côté de la rue, mais la façon dont le réseau est construit en Amérique du Nord, il y a énormément, énormément d'informations qui vont être relayées à Toronto, à New York. Donc, à chaque fois qu'on peut échapper à ça, on échappe à à l'échange d'informations avec, avec l'étranger. Ensuite, on pourrait adopter une politique sur l'utilisation de l'info nuagique par l'État et le secteur public. C'est un peu ça qui termine l'article que j'ai écrit pour l'Action nationale. C'est une esquisse de politique, enfin, les grandes lignes. Donc, évidemment, j'aurais tendance à vouloir demander que ça ressemble un peu à ce que j'ai esquissé, mais enfin, l'idée, c'est un point de départ. Et dans les grandes, parce que je ne peux pas en parler longtemps, mais dans les grandes lignes, ce qu'il faut dire, c'est qu'on ne doit pas devenir client d'Amazon. Et Amazon, on s'en fout que ce soit Amazon, ça peut être Google. On ne doit pas devenir client d'Amazon, on doit imiter Amazon. Quand on connaît l'histoire de comment Amazon est devenu un géant de l'info nuagique, on voit très bien que c'est possible de s'émanciper de ceux qui étaient les géants avant qu'Amazon se lance là-dedans. Amazon, ils faisaient du commerce en ligne. Ils avaient a priori aucune raison d'avoir une quelconque expertise sur l'infrastructure serveur, sur les centres de données. Ils étaient des gros clients de centres de données, des gros consommateurs, et ils ont vu que c'était là où peut-être qu'ils étaient capables de s'autonomiser, d'investir, éventuellement transformer des dépenses en investissements, des investissements en revenus et des revenus en profit, et ils se sont clairement pas plantés. Ils ont forcé Google et Microsoft à les rattraper. Ils avaient 2 ans d'avance au moins sur eux. On peut tout de suite commencer, même dans un cadre provincial, une éducation massive aux enjeux du numérique, mais ça c'est trop flou là, mais moi mon focus ce serait les enjeux de la surveillance de masse, comment on répond à la surveillance de masse par une éducation de masse aux problèmes qui sont au cœur, ce qui est au cœur du problème, donc les enjeux de centralisation d'Internet et tout ce qui est autour de comment se protéger sur Internet, évidemment là, tout ça. Bon. On peut dès maintenant commencer à envoyer le mouvement indépendantiste, les militants et les organismes à l'école du logiciel libre, des bonnes pratiques de cybersécurité, du chiffrement fort et des réseaux décentralisés. Et on peut donner l'exemple de la Catalogne qui a connu, comme vous savez très certainement, une répression très forte de son mouvement indépendantiste. Et s'ils ont été en mesure de continuer de communiquer et d'agir, c'est parce qu'ils avaient dans leur mouvement des gens qui leur donnaient des moyens d'utiliser Internet en dehors de tous les, tout ce qui est installé sur votre téléphone, essentiellement par défaut. Là, c'est combien de temps? 3 minutes. Ah ouais, trop. D'accord. Ouais, donc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus si on était indépendant? Alors, je sais que vous connaissez la réponse, donc je ne vais pas vous embêter avec ça. Donc, on a la liberté d'agir dans tous les champs qui sont actuellement les champs de compétences provinciales, fédérales. On peut évidemment exercer toute notre souveraineté intérieure, mais aussi extérieure, ce qui veut dire participer directement aux forums internationaux majeurs où se décide l'avenir du numérique, la gouvernance d'Internet notamment, la réforme du droit international, mettre fin aux paradis fiscaux, les principaux paradis fiscaux qui font que Google, et Amazon et compagnie ont des prix imbattables, c'est parce qu'ils sont dans les paradis fiscaux, et les principaux pour les technologies, c'est l'Irlande et le Luxembourg. Ça, j'ai vu ça dans un document de la francophonie, c'était une idée intéressante, c'est s'organiser au niveau de la francophonie pour renégocier l'exception culturelle à l'ère numérique, parce que en ce moment, ça vaut pas grand-chose. Face à Netflix, tout ce qui a été mis en place, c'est à peu près inutile. Qu'est-ce qu'on serait en train de faire maintenant si on était déjà indépendant? On pourrait être en train de faire exactement ce que la France fait. Ils viennent de publier, le 1er octobre,
2019, c'est très récent, un rapport qui était sur une, donc c'est une commission d'enquête sur la souveraineté numérique qui est produit par le Sénat français. Donc le Québec indépendant serait vraisemblablement en train de se soucier vraiment avec beaucoup d'énergie de ces questions-là. Et par exemple la France, bon, ils ont 5 recommandations, je ne vais pas toutes les donner, elles ne sont pas toutes bonnes non plus, mais essentiellement il y a des choses un peu, c'est un peu évident et abstrait, mais définir une stratégie nationale numérique au sein d'un forum, blablabla, adopter, ça c'est intéressant, une loi d'orientation de suivi de la souveraineté numérique. Parce que la France a commencé, comme beaucoup de temps en Europe, après les révélations d'Edward Snowden, donc d'Edward Snowden, c'est l'été 2013, dès 2014, il y avait de l'action déjà au niveau européen pour partout, là, provenant de différents acteurs, sur les questions de souveraineté numérique, mais il n'y a rien de fédérateur en ce moment en France, donc là on veut évidemment fédérer tout ça. Et on a, bon évidemment on se vante d'avoir adopté le RGPD, à quel point c'est une bonne idée tout ça, mais on dit aussi qu'on est conscient que c'est probablement insuffisant. Puis à date, ça fait pas longtemps que ça existe le RGPD, mais à date le bilan, c'est pas comme si les gens avaient massivement quitté Facebook et avaient découvert qu'il y avait plein d'alternatives. Bon, c'est pas tout ce qui est arrivé. Mais on s'intéresse notamment à l'idée d'une obligation d'interopérabilité des plateformes. Et puis nous, à Facile, on est d'accord avec ça parce qu'on a signé une lettre commune qui vient de nos amis européens, quelque part dans mes papiers. Voilà. L'aide commune pour l'interopérabilité des grandes plateformes en ligne, ça vient de la Quadrature du Net, qui est une organisation militante en France, signée aussi par l'April, qui sont plus ou moins les homologues de Facile en France. Mais il y a plein de gens en Europe qui ont signé, puis voilà. Donc ça, c'est on est à l'étape d'étudier la faisabilité d'imposer l'interopérabilité entre les plateformes, et pour expliquer juste très rapidement, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde sait c'est quoi le courrier électronique. Tout le monde sait d'expérience qu'on peut envoyer un courriel avec un compte X, on va dire sympathico, là, et l'envoyer à quelqu'un qui a un compte Hotmail ou peu importe. La raison pour laquelle des services comme ça d'entreprises différentes se parlent, c'est parce qu'il y a des protocoles qui ont été publiés, qui sont connus, qui sont publics, qui appartiennent à personne. L'architecture est décentralisée et elle est interopérable. C'est les fondements d'Internet et les fondements du web. Et puis Google, Facebook, Amazon et Microsoft nous tiennent captifs par des systèmes qui centralisent et vont contre l'interopérabilité qui est au fondement du web. On a construit par-dessus des pièges, finalement, des hauts filets pour attraper les poissons. Et la pêche a été bonne, donc voilà. On est là-dessus. Merci Mathieu. À voir ce qu'il avait aussi en banque. N'hésitez pas à poser vos questions. Je pense qu'il a plusieurs réponses à vos questions. Parce que c'est vrai que 20 minutes, ça passe vite. Hein? Ça passe très vite. J'ai rien dit et pourtant. Donc, oui, c'est ça. Donc, ça passe très vite, 20 minutes, mais vous aurez évidemment amplement le temps de venir poser vos questions par la suite. Ceci dit, je vous invite aussi à aller lire le texte complet de Mathieu dans l'Action nationale. C'est un texte magnifique. Ça vaut vraiment la peine d'aller le lire pour ne serait-ce que vous faire un peu une idée plus large de ce qui vous a été dit très rapidement ici. Et donc, on est rendu au prochain conférencier, débatteur de ce soir, Florent Michelot. Donc, il est licencié en droit, chargé de cours en sciences politiques, à l'UQAM, doctorat en andragogie à l'Université de Montréal. Il est donc département de psychopédagogie et d'andragogie de la Faculté des sciences d'éducation de l'Université de Montréal. Il poursuit ses recherches sous la direction de Bruno Poilhubert. C'est une bonne question, ça? Oui, c'est ça, exactement. Je te pose... Oui, je voudrais que tu m'aides avec Poilhubert. Merci, je ne voudrais pas quand même. Donc, professeur agrégé dans cette même institution. Avant d'entreprendre son troisième cycle, il a complété un master en sciences politiques à Lille 2 et ensuite exercé des pratiques de conseil politique pendant plusieurs années. Il évolue aussi à titre de chargé de cours en politique municipale au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Et ses travaux actuels portent sur la culture informationnelle des étudiants et étudiantes, notamment quant aux compétences qui se rattachent à l'évaluation de l'information sur le web,
On a quand même un petit lien ici. À cet effet, il s'intéresse aussi au développement de la pensée critique en contexte scolaire. En outre, il travaille sur l'évolution des référentiels de compétences numériques à l'aune des tendances actuelles en éducation. Donc, on a vraiment le pain ici qui est un peu approché par Mathieu. Mais là, Florent, tu disais que tu nous emmenais ailleurs, donc je te laisse y aller pour 20 minutes. Ça va être un genre de voyage astral. Je vais me lever parce que si j'ai un point commun, j'en ai pas beaucoup avec Mathieu à côté, mais c'est que je gesticule beaucoup. D'accord. Donc je vais bouger, puis il est possible d'ailleurs que je me déplace dans la salle. Donc je vais espérer que cette... Est-ce que t'as besoin quand t'as ouvert un micro, peut-être tu prends. Il ne fonctionne pas? Oui. Pardon. Je pense que ça va être bon. Vas-y, parle. Ça va peut-être être plus simple si je procède comme ça. Écoutez, donc j'espère que je ne vais pas être trop en décalage par rapport à Mathieu, mais voilà, j'avais envie de vous proposer une lecture peut-être plus théorique, plus conceptuelle, sans pour autant être trop ésotérique pour autant. Si l'on revient finalement au titre de la conférence qui nous était suggérée ce soir, on parlait finalement d'outils d'aliénation ou éventuellement outils d'émancipation du numérique, dans le cadre évidemment de la souveraineté du Québec. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, selon moi, pour débuter la réflexion, c'est plus fort ? Plus proche. Ou plus. Ça va être difficile d'être plus proche, hein, je vous l'assure. Donc ça va être plus fort. Comme ça ? Oui. Voilà, ça c'est mon côté rappeur inassumé. Donc voilà. Pour commencer, donc, j'allais vous le dire, il faut d'abord, avant tout, considérer qu'un outil, par définition, n'est pas en lui-même bon ou mauvais. Donc le numérique, les outils, les acteurs, ça recouvre une très très grande diversité de situations, et pour cela, il faut essayer de déconstruire les utilisations, les pratiques, les contextes dans lesquels ces technologies numériques sont à notre disposition. Donc, finalement, avant d'avoir un jugement définitif sur le numérique, ça revient à la communauté de construire l'usage émancipateur ou non à l'égard des technologies numériques. Et finalement, ça reste encore par l'État, par les outils de régulation. La plus belle invention que l'on a pu avoir en matière de régulation sociale, ça reste l'État. Donc, pour savoir dans quelle mesure, finalement, les technologies numériques peuvent éventuellement être un outil émancipateur ou aliénant, ça reste à l'aune de l'État qu'il convient de le faire. Et c'est en ce sens-là, finalement, que la souveraineté du Québec peut répondre à la préoccupation qui est au cœur de notre réflexion ce soir. Si l'on prend évidemment l'extrémité du spectre, c'est évidemment notamment certains cas de censure que l'on a tous à l'esprit, plus ou moins, dans certains pays. Alors je pense notamment le fait qu'on connaît tous Netflix, on a tous regardé probablement une série sur Netflix, on s'est tous probablement endormis sur une série Netflix à un moment donné dans notre vie. Netflix récemment, vous madame, pas encore, ça va venir probablement. Vous boycottez ? Bon, vous faites bien. Eh bien figurez-vous que l'Arabie Saoudite a aussi boycotté pour d'autres raisons Netflix, en supprimant l'accès à un show, un stand-up, comme on dit en français, d'un humoriste américain, parce qu'il avait eu le bon goût de remettre en cause une religion, tout bien laquelle en Arabie Saoudite, en s'en moquant de façon, de façon claire et évidente. Donc Netflix a considéré que comme l'Arabie Saoudite était un marché juteux, finalement on allait censurer cet humoriste. Mais évidemment, on a énormément de cas à travers la planète, on pense évidemment à la Chine, dans lequel certains outils numériques ne sont pas accessibles parce qu'ils contreviennent à une certaine conception de la régulation de l'État. Fort évidemment, la situation n'est pas la même ici, donc on dispose finalement d'une certaine marge de manœuvre. On va faire un petit retour en arrière et revenir sur ce que le numérique, ou plutôt l'Internet, a pu être dans les années 70-80. Et effectivement, ça vient initialement, Mathieu l'a abordé plus ou moins directement, c'est des hippies, il y a du LSD là-dedans, on ne va quand même pas se mentir, c'est une réalité. Beaucoup de programmes informatiques ont été construits, ont été bâtis par des barbus. Okay, non mais voilà, je dis ça en blaguant. Tout ça pour vous dire que... Bah, quoi qu'en blaguant, je ne sais pas si... C'est quand même vrai. Bon. Tout ça pour dire que les technologies que l'on utilise tous les jours ont été bâties dans un contexte de révolution sociale, culturelle, que l'on n'est pas prêt de revivre, malheureusement, selon moi. Et il y a une espèce de volonté, finalement, de se positionner en contre-culture,
de façon très forte. On l'oublie aujourd'hui, évidemment, avec les GAFA qui sont au cœur de notre quotidien, mais il y a une véritable contre-culture qui est à la base du numérique, avec des principes de coopération, de partage et de défense du commun. Alors certains pourront dire que c'est une vision candide des choses, certes, c'était aussi l'époque qui le voulait probablement. J'aime beaucoup cette formule de Blondeau Coulé qui parle d'orphelin de la politique, hein, des réseaux émergents, propices à l'expérimentation sur énormément de plans, avec des horizons d'accès en dehors des institutions et des partis politiques. Alors là, c'est intéressant parce que finalement, il y avait cette idée que les médias, au sens large, hein, pas exclusivement les médias traditionnels, mais les médias pouvaient être des outils d'émancipation individuelle et collective. Et pour les personnes qui se sont ou qui se revendiquent encore d'un certain marxisme, on ne peut pas s'empêcher de faire un certain lien avec, avec Gramsci. Alors, notre cher Gramsci, sur l'hégémonie culturelle, c'est-à-dire, et là c'est vraiment intéressant, je pense, de faire ce lien. On ne peut pas considérer évidemment que nos hippies des années 70, évidemment, se posaient dans une lecture marxiste des choses, mais au demeurant, on connaît bien l'épaisseur de feuilles de papier à cigarette qui sépare les libertaires d'une certaine gauche anti-étatiste et d'autre part des marxistes. Conceptuellement, c'est très proche et en même temps, ce sont deux familles tout à fait irréconciliables. Et il y a cette idée donc, au travers de l'hégémonie culturelle, que c'est par une forme de prise en main des médias au sens large, par la population, hein, la réalisation d'une certaine unité culturelle sociale que finalement, on va peut-être réussir à prendre le contrôle ou renverser la superstructure pour finalement assurer une certaine forme de révolution sociale. Donc ça, c'est un extrait des cahiers de prison de Gramsci. Ça reste, à mon avis, tout à fait important à lire encore aujourd'hui parce que cela questionne beaucoup notre posture en tant qu'indépendantiste. La réflexion de notre place dans l'écosystème médiatique, elle reste sérieuse, et revenir à la question d'hégémonie culturelle de Gramsci permettrait, en tout état de cause, peut-être pas d'avancer dans la situation, mais en tout état de cause, d'avoir un regard plus net sur notre situation. J'avance pour vous dire que finalement, donc, il y a une lecture très, très radicale, mais encore faut-il, d'une part, certes, on peut avoir conscience du fait que on peut disrupter les choses, c'est un mot qui est très à la mode chez les néolibéraux, on peut disrupter les choses de façon horizontale, sauf que là encore, je vous le disais, la plus belle invention pour la régulation des droits, ça reste l'État, donc il faut y penser de façon verticale. Alors j'en reviens à ce que je vous suggère comme problématique, dans quelle mesure l'usage des technologies peut être un levier d'émancipation, liberté sociale et politique, ou au contraire un vecteur d'aliénation, dépendance à la technologie notamment. Évidemment, ce n'est pas un exposé scientifique, ce n'est pas l'objectif, mais voilà, une bonne vieille dialectique nous permettra peut-être d'y répondre. Je vais commencer par l'aliénation, certainement. Alors, je vous le disais, effectivement, le logiciel libre, ou plutôt, pardon, les technologies telles qu'on les connaît actuellement, ont été fondées par CIP, qui avait cette idée du logiciel libre. Vous m'excuserez pour la caricature, là, les geeks, mais je dis ça pour faciliter les choses. Mathieu l'a évoqué tout à l'heure, le logiciel libre, je reviens à cette définition parce qu'on a un peu tendance à considérer que le logiciel libre, c'est un logiciel gratuit. Non, c'est plus complexe que ça. Un logiciel libre peut certes être gratuit, pas nécessairement, mais par contre, ce qui est surtout très important, vous l'avez à l'écran, c'est le fait que finalement, sa modification, son étude, son utilisation, son partage sont permis et à la limite sont encouragés, voilà, avec pour objectif notamment de garantir certaines libertés individuelles. Donc lorsque l'on parle de logiciel libre, c'est davantage une question de partage, une question sociale, avant d'être une question économique et monétaire. Alors évidemment, vous l'aurez compris, qu'elles ont été extrêmement détournées, ces grands principes qui étaient à l'origine du logiciel dans les années 80-90, elles ont été largement détournées, et notamment lorsque l'on pense à la place des GAFA, Google, Facebook, Amazon, on oublie trop souvent Microsoft, hein, c'est pourquoi parfois on entend davantage parler de GAFAM, qui remettent largement en cause ces éléments-là. Alors, lorsque je vous parlais tout à l'heure de Gramsci, notre ami Gramsci et de l'hégémonie culturelle, eh bien, j'avais fait cette petite recherche avec Éric Bouchard, qui aujourd'hui est devenu conseiller municipal à Longueuil, mais qui à l'époque était au MQF. Il avait fait une réflexion sur la dynamique des langues au Québec, et on avait trouvé un chiffre qu'il faudrait aujourd'hui remettre à jour. Donc là, c'était en 2015,
la présentation était en 2016, mais c'était des chiffres de 2014-2015. Et voilà, typiquement, la production d'un épisode d'une émission bien connue sur Netflix coûtait à peu près 8 millions par épisode. Une émission québécoise, l'une des émissions télésérie les plus regardées au Québec, coûtait, dans le meilleur des cas, 2 millions. En termes d'hégémonie culturelle, on comprend évidemment le caractère négatif de Netflix, mais il faut aussi avoir conscience, bien évidemment, du fait que lorsque nous, en tant que jeunes principalement, mais comme Netflix aujourd'hui regardé par tout le monde, on a bien conscience du fait que ça a un effet tout à fait délétère, par ailleurs, sur l'ensemble de l'écosystème culturel, économique culturel québécois. Donc il y a aussi un choix politique que l'on doit faire, nous, en tant que consommateurs. Donc aliénation qui a lieu aussi sur le plan culturel, donc je vous le disais, mais qui a aussi un impact très très fort sur le plan économique. Alors, on a parlé de l'info nuagique, ça aussi un effet tout à fait délétère, puisque on le voit aussi dans les universités. L'UQAM est passé au cours des derniers mois sur une plateforme d'info nuagique liée à Microsoft. L'Université de Montréal l'a fait il y a quelques mois auparavant avec cette même compagnie. Quand bien même les logiciels seraient prétendument stockés, les données seraient prétendument stockées au Canada, il n'en demeure pas moins que finalement c'est une perte de souveraineté, comme Mathieu l'a très bien expliqué dans sa présentation tout à l'heure. La plupart des travaux de recherche sont stockés sur des serveurs canadiens sous le contrôle de compagnies états-uniennes avec un système d'interopérabilité dégueulasse. Ça m'a posé un problème d'ailleurs dans mes recherches, puisque au regard de la RGPD, mes recherches se font aussi en Europe, au regard de la RGPD, je devais assurer que mes données seraient stockées au Canada, pardon, en Europe, ou au pire, en tant que chercheur, au Canada, mais dans des conditions très précises, avec le stockage tel qu'il est assuré avec Microsoft, je ne pouvais pas garantir le respect de la RGPD. Donc il y a énormément d'enjeux, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais ils sont importants. Et puis, il y a aussi des éléments que l'on oublie un peu trop rapidement. Le numérique, ça a un impact direct sur notre économie et aussi sur un certain délitement des rapports sociaux. Alors, on a cette ambition parfois de faire de Montréal une espèce de Silicon Valley du Québec. Alors, je me suis intéressé, voyez-vous. À l'écran, vous avez l'évolution des inégalités sociales à San Francisco en raison de la proximité donc de la Silicon Valley. Et là, vous avez finalement la répartition alors vous m'excuserez pour les graphiques et les éléments qui sont en anglais, mais vous avez finalement le revenu médian des familles. Est-ce que l'on est là légèrement ou très en deçà du salaire médian, ou est-ce qu'on est légèrement au-dessus ou très au-dessus? Au début des années 90, on a une population de San Francisco qui est, somme toute, assez équilibrée, avec évidemment des poches de pauvreté, des poches de richesse. Et au fur et à mesure, la classe moyenne disparaît, et on se retrouve avec une ville de San Francisco qui a mis complètement de côté sa classe moyenne. Les poches de paupérisation se sont agrandies. Aujourd'hui, on a des problèmes à San Francisco d'itinérance qui sont extrêmement importantes, d'ailleurs qui sont la corollaire de l'économie numérique. Et évidemment, donc, toutes les personnes de la classe moyenne ont été chassées de San Francisco, qui devient aujourd'hui une ville très luxueuse, avec des classes supérieures très riches. Bref, finalement, on a des inégalités sociales que l'on ne soupçonne pas dans l'économie numérique et qui ne serait pas improbable de vous retrouver à Montréal, notamment avec certaines compagnies, certes, qui apportent beaucoup pour le rayonnement de Montréal international, mais qui, effectivement, on le voit bien dans le Myland, qui, encore peut-être 20 ans, était un quartier populaire, aujourd'hui devient un quartier luxueux, et peu à peu, des personnes les moins nantis se retrouvent exclues de ces quartiers. Les aspects environnementaux, on les a parfois un peu plus à l'esprit. Le secteur des technologies de l'information était considéré comme un pays, ce serait le troisième pays le plus gros consommateur d'électricité à travers le monde. Et encore là, ce sont des chiffres de Greenpeace, ça date de 2012, ce serait pas surprenant qu'on soit bien au-delà. Aujourd'hui, j'ai pas réussi à trouver de chiffres plus récents, mais on pourrait... Oui, ça ne s'est clairement pas amélioré. Donc voilà, en l'espace de... entre 2007 et 2020, le nombre de kilowattheures consommés a été triplé en raison des technologies numériques et plus particulièrement en raison de l'info nuagique, telle que Mathieu l'évoquait.
maintenant des gens qui minent des bitcoins. Tu as tout à fait raison. Je n'ai pas eu le temps de le trouver avant la fin de la présentation. On expliquera tout à l'heure ce que c'est des bitcoins éventuellement dans la période de questions, mais en fait, moi, je ne serais pas capable de le faire. Et tout ça pour dire qu'on a eu l'ambition au Québec on en reparle tout à l'heure. Mais bref, on voulait avoir des compagnies en résidence et ça avait un impact sur Hydro-Québec qui aurait été beaucoup plus important que ce qu'on le souhaitait. J'ai combien de temps, Martine? Un bon 6 minutes. 12. Ok. Bref, je vous ai fait un petit état très très rapide des aspects négatifs que moi j'associe à de l'alignation, pardon, qui peuvent être liés au numérique. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'être complètement défaitiste. On va quand même essayer de regarder ça un petit peu par l'autre bout de la lorgnette. On l'a vu, les années 2000-2010, ça a été un événement, ça a été une période extrêmement importante où on a fait le point de bascule entre un nouvel impérialisme. Je ne vous ai pas parlé, j'aurais pu, des impacts en termes de cybersécurité. Tout le monde est au courant probablement du Patriot Act qui est arrivé aux États-Unis, qui a eu un impact extrêmement important sur nos libertés individuelles dans l'espace numérique. Le Patriot Act étant un outil, on pourrait y revenir aussi dans la période de questions, où finalement, ce qui revient à dire que finalement, tout ce qui transite sur Internet pourrait être potentiellement étudié, espionné par les États-Unis. Donc il y a cet élément-là que moi j'associe à une forme de nouvel impérialisme, et puis par ailleurs donc une mutation du capitalisme qui nous impose de penser la structure économique de façon radicalement différente de celle que l'on a pu avoir aujourd'hui. Alors, vecteur d'émancipation par ailleurs, comment réagir intelligemment contre la perte de souveraineté numérique de l'État québécois et plus généralement contre la perte de contrôle des Québécois sur leurs données et leurs applications? Mathieu, ça te dit quelque chose? C'est une phrase qui était sortie de ton texte dans l'Action nationale du printemps dernier. Alors le premier élément que je vous suggère, c'est d'abord de combler la fracture numérique. On en parle et on se dit constamment que peu à peu la fracture numérique est en train de disparaître. C'est beaucoup plus complexe que ça. Oui, effectivement, les choses vont mieux petit à petit, lorsque je parle de fracture numérique, c'est-à-dire que des personnes seraient mises de côté dans l'accès à l'Internet. Alors, malheureusement, l'Internet s'est imposé comme étant la porte d'entrée à énormément de points de service, notamment avec l'État. Allez faire aujourd'hui une déclaration de revenus qui ne passe pas par le numérique, qui ne fait pas sa déclaration de revenus autrement que par Internet, à moins que vous ayez un comptable, moi j'ai pas les moyens. Alors, on va considérer que tout le monde le fait par Internet. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de procédures administratives qui doivent se faire par Internet aujourd'hui. Ça revient donc à dire que si vous n'avez pas accès à Internet, autant vous dire que vous allez avoir de la difficulté à faire certaines procédures administratives, publiques ou privées par ailleurs. Donc, il y a une difficulté en termes de géographie. L'accès au numérique, on l'oublie assez facilement à Montréal, il reste, pour ainsi dire, dramatique dans certains territoires. Il y a d'ailleurs eu un papier encore, c'est, je pense, il y a une quinzaine de jours dans la presse sur l'implantation donc de la très haute vitesse de la fibre aux îles de la Madeleine et sur la Basse-Côte Nord, voilà, où ça fait état de situations préoccupantes. Et dans cet article dans la presse, on voyait justement que la province du Québec a décidé de mettre à terre il y a quelques mois un appel d'offres qui visait finalement à offrir un service de très haut débit qui correspondait aux normes minimales, j'insiste bien là-dessus, du CRTC, pour finalement aller vers une offre de service qui était beaucoup moins dispendieuse et qui était à peu près la moitié des normes minimales du CRTC. Mais évidemment, vous le savez, on a besoin d'argent, on a fait de grosses économies. En l'occurrence, cet appel d'offres lancé par Québec a permis d'économiser 9 millions. 9 millions, c'est énorme, pas du tout. 9 millions pour faire la comparaison, c'est 0,14% du budget de fonctionnement annuel de la ville de Montréal. Ce qui veut donc dire qu'on a empêché à une population sur un territoire enclavé d'accéder à un Internet un Internet presque médiocre en 2019. On a empêché à ces personnes d'y avoir accès pour économiser 9 millions. Alors, 0,14% du budget de la ville de Montréal, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est encore ? Eh bien, on dépense 23 fois plus chaque année en ramassage de poubelles dans la ville de Montréal. Et on empêche à toute la population madelino d'accéder à un service Internet de qualité pour 9 millions. C'est évidemment tout à fait scandaleux. Des disparités sociales, on les connaît aussi.
particulièrement auprès des personnes à faible revenu, évidemment, mais aussi auprès des personnes les plus âgées. L'écart, évidemment, il se réduit au fur et à mesure. J'ai regardé, il y avait un écart, en termes d'usage régulier, il y avait un écart de 40 points de pourcentage entre les 18-35 ans et les plus de 55 ans en 2011. Il n'y a plus que 10 points de pourcentage d'écart. C'est un effet mécanique assez logique, mais voilà, force est de constater malgré tout qu'il y a encore un écart qui tend à se réduire relativement lentement. L'écart se réduit probablement plus lentement que les services publics se sont convertis au numérique, prétendument parfois, ou certaines entreprises prétendument pour des considérations environnementales. Et puis il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, il y a certes l'usage régulier, mais il y a aussi l'aisance à prendre en considération, l'aisance à utiliser l'Internet. Et là aussi, eh bien, on constate finalement que les plus à l'aise, ce sont les moins de 45 ans, qui sont scolarisés au niveau collégial, qui habitent dans les régions métropolitaines. Ça, c'est une étude du CEFRIO qui date de 2016. Un site super si vous avez besoin de chiffres sur la situation du Québec en termes de numérique. Beaucoup, beaucoup de données. Les moins à l'aise, eh bien, écoutez, les personnes de plus de 55 ans, scolarisées au niveau primaire ou secondaire, habitant en région. On a nos deux grandes propres solitudes nationales qui se retrouvent incarnées dans cette incapacité à fournir un Internet, un accès à Internet en bonne et due forme à l'ensemble de notre population. Et puis les générations, moi ça fait partie de mes travaux de recherche, on considère que les jeunes sont très compétents, très habiles avec le numérique. Ça reste encore largement faux. Il est fort probable que les jeunes disposent d'habiletés techniques très avancées. Ça semble être assez confirmé par la littérature, par la recherche. De là à ce que l'on puisse considérer que les jeunes font un usage raisonné qui nécessite une forme d'autocritique, d'autoréflexion, on est encore très loin. L'ère numérique aussi peut porter l'engagement vers le collectif. Alors je vais essayer d'être un peu plus rapide pour pas trop prendre de temps, mais on a évidemment, je voulais davantage parler à cet égard-là, de renouveau de l'engagement politique. Alors, ça peut participer, je pense, à une restructuration des paradigmes politiques, mais ça reste encore, selon moi, très compliqué. Alors, il y a plusieurs enjeux à cet égard-là. Je vous parlais à l'instant de l'enjeu du développement des compétences numériques du citoyen. Elles doivent être vues comme des moyens pour favoriser l'émancipation sociale et maximiser la puissance d'agir des citoyens. J'avance un petit peu là-dessus. Pourquoi je vous parle de la littératie critique de, du moins largement inspirée de Paulo Freire? Paulo Freire avait cette conception de l'éducation qui était fondamentalement émancipatrice, là aussi dans une lecture post-marxiste des choses. La littératie critique, c'est-à-dire la capacité finalement à s'autonomiser de l'information, questionner l'autorité du texte, questionner ses biais, dépasser ce qui est écrit, appréhender la notion de justice sociale. Lorsque je vous dis que j'ai envie d'être un peu positif à la fin de cette présentation, malgré tous les éléments plus négatifs que l'on a pu voir en amont, c'est parce que pendant 20, 30, 40 ans, on a eu un rapport sur l'éducation aux compétences informationnelles qui était très techniciste, on va dire ça comme ça, où finalement il suffisait d'appuyer, de savoir comment appuyer sur un bouton ou cliquer pour finalement considérer que l'élève était correctement formé au numérique. Les choses ont largement changé, et je pense notamment au fait que le gouvernement du Québec, et ça c'est suffisamment rare pour être noté, c'est un projet qui avait été initié par les libéraux à la fin de leur gouvernement, qui a été repris par le gouvernement actuel, qui sera continué. Il y avait une volonté de développer une politique numérique pour le Québec, et parmi cette politique numérique, il y a l'entrée en vigueur du cadre de référence de la compétence numérique. Alors c'est un peu ésotérique présenté comme ça, je vous l'accorde, mais l'idée finalement, c'est de considérer que la compétence numérique, ce n'est pas qu'une habilité à manipuler du numérique. Et dans cette roue qui est au cœur du cadre de référence de la compétence numérique, on retrouve notamment la culture informationnelle, c'est-à-dire comment sont structurés les médias, quels sont les,
À quoi ressemble l'écosystème financier derrière les médias? On retrouve aussi la pensée critique. Donc, selon moi, on retrouve quand même des éléments extrêmement importants, de la littératie critique que l'on retrouve dans cette littératie numérique telle qu'elle est portée aujourd'hui par le gouvernement du Québec. Donc, Mathieu l'évoquait tout à l'heure, le rare peut-être champ de compétences que l'on assume encore à peu près correctement aujourd'hui, à savoir l'éducation, on l'assume selon moi pleinement, et ce cadre de référence de la compétence numérique pourrait être potentiellement pleinement utilisé pour former des citoyens autonomes, émancipés sur le plan du numérique. Il reste plus rien, 2 minutes. Allez, je vais finir avec ça. Ok, je vais aller super rapidement. Je voulais parler de mobilisation politique. On a tous connu en 2011-2012 une vague de mobilisation, évidemment ici, on est une fière représentante, mais pas seulement. Les Indignados, on a eu la place Tahrir, etc. À travers la planète, on a eu un mouvement de mobilisation internationale qui a été largement propagé par les médias sociaux. On pourrait aussi ajouter le mouvement des Gilets jaunes en France l'an dernier. Tout ça, ce sont des mouvements qui ont pris forme ou ont pris leur ascendant avec le numérique. Là où je nous invite à avoir une réflexion là-dessus, c'est que, clairement, ça n'a pas été suffisant. Pour cela, 2 choses. Premièrement, ils doivent s'inscrire, selon moi, sur une temporalité longue, c'est-à-dire que, indépendamment de toute l'énergie qui peut se dégager de ces mouvements-là, il y a l'intégration à un mouvement social, à certains codes qui sont indispensables. On l'a très bien vu dans chacun de ces mouvements, il y a une volonté, ou plutôt une nécessité, de se référer à des grands courants politiques. Finalement, l'autonomisation qui a été permise par les médias sociaux n'a pas été suffisante. Il a fallu un raccrochement intellectuel. Deuxième raccrochement indispensable, et j'en finirai là, c'est le fait que ces mouvements politiques autonomes ne peuvent s'inscrire dans le temps, tant et aussi longtemps, que finalement, ils ne s'inscrivent pas dans une logique politique beaucoup plus traditionnelle, beaucoup plus conventionnelle.